Hey. Salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans les joueurs du dimanche. On est avec Dina, Alice et Rofelos et on va vous présenter un des nommés pour les As d'or. Expert. Oui, expert, évidemment. Eh bien, c'est la planche des pirates. Vous voyez, je l'ai ici juste devant moi. La planche des pirates, défense de tomber. Oh. Jeu de mots, parce que éléphant, défense, vous l'avez. Tu l'avais ? Oh, MDR. Je l'avais pas. C'est pour 2 à 4 joueurs pour 5 ans et plus. Une partie dure une quinzaine de minutes et on va vous expliquer ça tout de suite, sans plus attendre. Les règles. 5 ans et plus, c'est légal, on peut y jouer. Okay. Alors que le premier jeu qu'il en a joué, c'était 5-9. Du coup, on était dans l'illégalité, mais on l'a fait quand même. Les amis, on va vous expliquer un petit peu les règles de ce jeu et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. On a chacun notre petit éléphant qu'on va poser devant la planche qui est devant nous. Voilà, donc vous le mettez. Oh non, il veut pas mourir. C'est à l'endroit le plus éloigné. Ils ont fait une bêtise. Ils ont volé le trésor du capitaine Girafe. Ah. C'est pas très très bien. Non. Mais le capitaine Girafe, il veut trouver qui est le coupable parmi tout ça, d'accord ? Donc on va devoir faire croire pour que le, c'est les autres. Pour le buter noyé. Mais bon. Noyer, ça dérange personne. Exactement. À la base, nous sommes des pirates farceurs. Oui. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons eh bien, tirer des cartes. Donc vas-y, par exemple, on va tirer la première carte. Oh, bah, je la mets où ? Là ? Voilà, ici. Donc là, on a obtenu un petit rubis. On est très content. Une fois que vous avez tiré une carte, vous allez faire un choix. Soit vous continuez à tirer des cartes, donc à voler plus les trésors au capitaine Girafe. Soit vous décidez d'être raisonnable et de vous arrêter là. Donc là, on va évidemment continuer. Et on arrive là-dessus. Oh, il y a un crochet. On peut continuer à dire je veux d'autres cartes ou je veux m'arrêter là. Quelle est la différence ? Si je m'arrête là, eh bien, on range les cartes et... Comme on voit ici qu'il y a un petit rondin, eh bien, on va ajouter un petit rondin sur la planche de chaque adversaire. Donc ici, je vais vous les mettre. Ici, ici. Alors vous les mettrez vous-même, hein, on sera des grands garçons. Voilà. Et évidemment, plus il va y avoir de rondins, plus ça va peser sur les planches. Et si ça pèse trop lourd... Non ! C'est tellement bien fait. Puisque je vous le remonte en plan large, vous voyez, évidemment, c'est posé avec un aimant. Et ça utilise la boîte de jeu comme support. Oui, très bien. La boîte de jeu est ici. Et, hop, voilà. Et évidemment, au bout d'un moment, quand il y a trop de poids, elle finit par se désaimanter. Okay. Et c'est pour ça que, au-delà des petits poids qu'on va mettre sur le devant de notre planche, il y a des petits pas sur la planche. Et bien en fait, pourquoi on avance ? C'est que si je continue à tirer des cartes et que, ah ! Pas de chance ! Je tombe sur un objet que j'ai déjà eu précédemment, eh bien, non seulement je n'ajoute pas de rondins sur les planches des autres, mais en plus, en punition, eh bien, j'avance d'un cran sur ma planche. Et donc, au bout d'un moment, si on arrive là... Si on arrive là, ouais, j'allais demander, si on est tout seul, la planche, elle si tombe on arrive, ah non, si t'es tout seul, en fait, elle tombe pas. D'accord ? C'est, il faut que t'aies pris quelques rondins quand même pour perdre. Ok. Donc, mais tu vas en prendre un. Oui, genre tout à fait. Mais à un moment, tu peux plus avancer, tu vas prendre, tu sur ta planche. Donc tu tombes, non ? Si t'arrives au bout de ta planche, une autre tu question, dois avancer. J'avoue que ça n'est jamais arrivé. Vous allez tomber avant, je vous le dis. Vous allez tomber avant. C'est la prophétie qui le dit. La prophétie dit, vous allez évidemment tomber bien avant ça. Le premier qui tombe a perdu, et les autres ont gagné. Ah ouais ? Le but, c'est de ne pas perdre. Oh, il y a une merde parmi nous, on sait juste pas qui c'est encore. Exactement. J'ai une petite idée. Il y a combien, bah, vu ce qui s'est passé hier, il y a combien d'items différents ? Il y a 7 items différents qui sont chacun disponibles en 7 exemplaires. Il y a donc 49 cartes. Ok. Ok. C'est ok, proba régulière. Basique, comme dirait Aurel. Donc il n'y a que les crochets sur lesquels il ne faut pas s'arrêter ? Non, il ne faut juste pas deux items identiques. Okay. Dès que tu en as deux identiques, tu as perdu. Ah, tu as perdu, tu avances. Enfin, tu as perdu, tu avances. Ok, je propose. Oui. On mette nos planches pile au bon endroit. Parce qu'en fait, moi j'ai envie de faire ça, tu vois. Ah, mais il n'y a pas de. Bah non. Ah, non, mais ça tient moins du coup. Non, t'as pas d'air. T'as moins d'adhérence si tu fais ça. De le mettre. Non, il faut la mettre pile au truc. D'accord. T'inquiète. Non, mais Rof qui essaye déjà de tricher, j'en reviens pas. Je triche pas, sale gosse. Justement, j'essaye de faire en sorte que tout. Mais alors, tu poses pas la main sur ma planche, d'accord. Il y a un dessin. On a 5 ans ou on a pas 5 ans. Oh. Eh ben, on va pouvoir y aller. Enlevez vos petits rondins. Ouais, parce que là, sinon, on a un désavantage. Allez, je commence. Hop. Je continue. Carte au trésor. Bah, je continue. Bien. Et t'en as 7 différents, tu disais. Donc là, soit tu nous donnes 2 trucs. Ouais. Je continue. Ah oui, c'était sûr. Ah ! Chez. Et si t'arrives à la couronne, ça fait quoi ? T'as Alors, s'il y en a un qui arrive jusqu'ici, il a gagné instantanément.
Ah. Et tous les autres ont perdu. Ah, tu l'avais pas dit ça. Ça rajoute un petit twist. Nouvelle règle. Donc, nouvelle règle. Vous savez que j'ai déjà sorti deux cartes, une épée. Ah, ça peu. C'est là, les enfants compteront jamais ça. Oui, hein, mais si oui. Imagine Skyheart a un enfant. Ouais. Ouais, voilà. Et puis on peut voir que pour arriver à la couronne, il faut du coup 6 cartes. Ouais, faut avoir de la chance. 6 cartes différentes parmi 7. Ouais. Faut avoir des balls. C'est à toi, c'est Dina. À moi. Bah, je les sors sur les cartes qui ont été sorties à la encore fin. Ou pas je continue. Attends, pardon, Alice. Non, parce que Rof disait faut quand même avoir de la chance quoi, mais suivant les cartes qui sont sorties. En vrai, sur les cartes qui restent, tu peux espérer... Ouais. À la fin, ouais. Ah, faut compter, quoi. Faut avoir de la chance. Je continue. Oh non, mais déjà ! Quel dommage, Dina, vous êtes nulle. Je te laisse avancer. Aucun talent, hein. Donc évidemment, ça permet pardon, d'apprendre aux enfants les bases du stop ou encore. Le stop ou encore, effectivement. Alice ? Continue. Tu devrais t'arrêter, Alice. Je vas-y, ouais. Encore. Je vais m'arrêter là. Ouh. Elle nous en donne deux chacun. Oui. Oh. Donc là, c'est nous qui les posons. Oui. Je sens qu'Alice, elle va être la plus raisonnable de nous tous. Et elle va gagner. Et ouais. Il y a des chances. Rob, je te laisse faire, t'es un grand garçon. Oui. Genre, j'arrête. Genre. Bah tu nous donnes rien si t'arrêtes là. Ça n'a aucun intérêt. Allez. Ça dégage. Ouh, ça va commencer à me... À chauffer, je le sais, en plus qu'en ce moment, j'ai pas de chance, je le sais. Ouais, oui, tu le sais. Il suffit juste d'avoir du talent pour jouer. Avancez, monsieur. Commencez pas à tricher. Max, c'est le roi des cartes. Hein. Alors, Max. Allez. Dina. Ça a été bien mélangé, allez. Ça, encore. Je suis bien mélangé, pourtant. Encore. Là, je suis obligé. Encore. Est-ce qu'un tien... Ça, c'est un nouveau truc, ça, en plus. Est-ce qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Encore. C'est ce qu'elle dit. Je le sens, encore. Tu le sens. Passer sur un jeu. Non. Voilà le grid. C'est donc le crochet que t'as senti, je comprends, voilà. Ça fait un peu mal. Je l'ai bien senti, ouais. Allez, bon Alice. Bah, pas le choix de toute façon. Non, vas-y, je m'arrête là. Elle est trop. Mais en fait, elle a vu comment jouer, donc elle a compris mais qu'on est vrai, des teubés et qu'on va aller toujours plus loin. En vrai, là, t'as un peu cassé le game. Parce qu'en fait, il suffit que elle ne bouge jamais. Oui, sauf que si à un moment donné, j'arrive à aller jusque-là et que j'en mets 3 d'un coup. Oui, mais les autres en auront 3, donc il y en a un qui tombera avant. Ok. Y'a pas tort. Ah, bon, là, elle a pris de l'avance. Hein, c'est un jeu pour enfants. Tu le but, pas c'est d'être dans le truc. Hein. Ouais, eux ils rigolent parce qu'il y a un aimant et des petits éléphants qui avancent. Ça marche. Hein, ils franchement, sont sur, de ma, se dire, sur hein. Ma fille, ça marche. Une boussole. Une longue vue. Voilà, c'est le moment où on commence à jouer. En fait, il faudrait qu'on mette pas des poids à tous. Il faudrait qu'on choisisse sur quel joueur on met les poids. Non, mais non. Et du coup, ça deviendrait de la méchanceté. C'est d'accuser tous les autres. Eh oui, bah oui. Je continue. Oh, ok. Et désolé. Putain ah ça dégoûte. On n'a pas de bol, hein. En vrai, la proba, elle est... j'étais un peu greedy. Mais bon, c'est le but un peu ouais, du mais jeu. Un jour, il faudrait qu'on arrive. Alors, t'avances. Ah, oui, avance, arrête pas de tricher là-dessus. Il y avait 3 à la suite. Oh, Max. Personne n'a jamais passé cette étape. Pas à nous. Évidemment, je vais y aller. Allez, il y va, Max, et il se prend... Rien. Ah, il hésite. Est-ce qu'il ira à la couronne? T'imagines? En fait, Max, c'est ton seul moyen de gagner direct. Ouais, parce que là, sinon, Alice, je pense qu'elle va gagner. Elle a même pas avancé. Je vous rappelle, et en fait, c'est pour ça qu'elle a pas cassé le game. Le but, c'est pas de gagner, c'est de pas perdre. Oui, mais là, en je fait, vais donc m'arrêter ici. Mais et vous fait... allez tous ajouter 3. Oh, et du coup, fait... vous êtes tous bien devant moi. Sauf qu'elle ne peut pas perdre, elle. Mais je m'en fous. Oui. Ah, moi aussi, je veux juste pas perdre, en fait. Attends. Je me fous qu'elle perd pas, bien joué, on va se serrer la main à la fin et c'est tout. Là ça commence à devenir. Donc là, 3 ça ouais. Là ça fait lourd. Hein. J'en ai un de moins. Mais regarde, en un seul coup, j'ai mis à Alice tout ce qu'elle m'a mis depuis le début. Si, c'est bon, t'en as 6, c'est bon. Moi j'en ai 6 aussi. Rof, moi je vois déjà la planche qui s'écolle, hein. Je dis ça. Tu vas tomber, Rof. Je dis rien. C'est à toi, Dina. Allez, vas-y. Faut charger Rof là. Bah je sais. Là j'hésite. Non, allez. Mais non mais jusqu'à 3 fois. Allez vas-y. C'est stop. Oh. Ah non, j'ai crevé moi. Bah oui. Bah, c'est bien le but. C'est le but. Non mais ça va. Regardez, attention.
Ok. On peut en mettre un paquet quand même. Alice. Ça dépend s'il lui avance. Encore. Ah. Ah, ça y est, elle veut jouer. Encore. Oh, bah attends, elle a plus grand chose à perdre. Allez. Et voilà. Et voilà, les amis. Je suis de retour dans le game. Bon. Oui. Bon. C'est vrai que t'es de retour, ouais. Alors évidemment, une fois que... Mais c'est pas possible. Allez, ça. J'étais en mode, je m'arrête au premier. Ça avance. Ça dégoûte. J'ai vraiment pas de chat. T'es vraiment très mauvais. Hein. Ah, t'es... Bon, Max, allez. Avance. Bah, moi, oh. Oui, j'avoue. Non. Oh non, sur les pattes, les pattes, je suis sur la planche. Les pattes, ça compte. Sur les pattes. Sur la planche, putain. Mais les jeux pour moi, t'essayes de tricher, Rof, c'est pas cool. Moi, j'arrêterai jamais avant la troisième carte, donc tu peux y aller. Oui, et voilà. Là, tu réfléchis. Maintenant, je réfléchis. Ça y est, j'ai réfléchi. J'arrête. Putain, je vais crever. Et là, je deviens celui qui est le plus à même de ne pas perdre, comme quoi. J'attends que Rof mette son truc en premier. Je peux pas perdre, Rof, il en a plus que moi et il est pas tombé donc. Ah, ça dépend, vas-y, à toi. À toi. Ok, vas-y. Ouais, si toi t'avances en premier. Ouais, si t'avances en première et qu'il t'en met 2-3 Et t'as avancé plus que moi et t'as plus de poids donc y'a aucun moyen où je perds. J'ai avancé plus que toi. C'est Guillaume de l'Equidoc. Guillaume de l'Equidoc qui a vu ton micro-trottoir et qui me dit très drôle. Oh, ça dégoûte. J'ai l'impression que je vais remélanger. Déjà ? Tu dois pas aller au bout du paquet de cartes avant. Je sais pas, je me demande si j'ai pas pris un truc qui t'est pas déjà pas mélangé. Bref, ça change rien. Mais t'as mélangé au moins 15 fois avant le début. Non, mais on arrive à la fin du paquet. Ah, on est arrivé, d'accord. Ah. Parce qu'en fait, elle dit pourquoi tu vas pas au bout du paquet, donc je croyais que t'avais pas été au bout. Il me restait quelques cartes, mais je crois qu'il me restait déjà pas quelques cartes avant, et donc à mon avis, c'est un truc que, au lieu de mettre dans la pile, j'ai dû prendre. Donc dans le doute, je remets. Dans le doute, c'est d'accord. Pas grave. Il restait genre 3 cartes, ça va. Vous noterez chez vous que c'est mieux sans tricher, mais ici, nous on fait avec. C'est déjà fait, donc on s'adapte. Pardon, mais j'ai l'impression que si ce jeu on triche pas un minimum, quoi, il est moins drôle. T'avais peur des probas des cartes, Rof, ou quoi? Mais il va mélanger sans cesse. Ok, mais... c'est à toi de partir. Ouais. Ouais, moi je viens d'avancer. Encore. Stop. Elle prend pas de risque. Deux, hein. Là, je vais crever. Allez, Rof, avant, c'est toi qui y vas. En fait, là c'est forcément fini parce que sinon on a plus assez de choses. Y'a aucun monde où Rof survit à ça. Ça tient pas. Ça tient pas. La méta, c'est l'un après l'autre. Je sais pas. Je fais comme je... Ah ! Alors que moi, normalement, ça tenait encore. Et c'est une victoire, les amis. Voilà. J'arrive quoi, moi ? Attends, j'arrive quoi ? Tu vas voir. Ça va ? Vas-y, Bobou. Vas-y, Bobou. Tu vas au bout ? Mais non, t'es une merde. Ah, ok, et bah c'est bien pour jouer avec ses copains. Le maillon faible. De toute façon, il t'a présenté comme la merde en introduction, donc oui, ça va avec. En ce moment, je n'ai pas trop de chance. La semaine prochaine. Mais c'est pas grave du tout. Vous savez pourquoi ? Faut pas toucher trop. Hein. Oui. Parce que ça vous a fait rire. Et moi, j'aime vous entendre rire. Ouais, nous, c'est on aime rire de ton malheur. Et surtout, à Ark Nova, je vais vous défoncer. Alors là, j'en doute fortement. On va voir. En tout cas, pour le moment, on était sur la présentation de la planche des pirates. Oh, c'est mignon. Qui est nommée, du coup, à l'As d'Or enfant. On verra bien s'il gagne. Rendez-vous le 23 février pour la réponse pendant la cérémonie des As d'Or. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Nous, on va en live enregistrer As Not a Hat. Et puis vous regarderez la vidéo suivante. Comme ça, vous verrez toutes les infos, des pouces bleus, des commentaires, tout ça, vous avez évidemment l'habitude. Et pour ceux qui sont en live, on se retrouve tout de suite. Ciao !